Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur NatTV dans le Café des Paris pour vous proposer les meilleures cotes avec notre partenaire Genibet au programme un match de tennis et un match de foot. C'est parti! On commence avec la petite balle jaune. Notre Français Hugo Humbert affronte l'Argentin Federico Coria pour son premier tour à Monte Carlo. 2,45 la victoire de Coria et 1,45 la victoire d'Humbert. C'est la première fois que ces deux joueurs s'affrontent. L'Argentin 89e mondial a dû passer par les qualifications pour accéder au tableau final. La terre battue est une surface qu'il apprécie plutôt bien. Il a remporté 15 de ses 23 matchs sur cette surface en 2024. Ce n'est pas le même son de cloche pour notre Français qui va effectuer ses premiers pas sur terre cette saison. Ce n'est pas sa surface fétiche, mais le Français est monté d'un cran en 2024. Lui qui a déjà remporté deux titres cette saison, dont son premier Master 1000 à Dubaï le mois dernier. Je pense qu'il va s'imposer assez facilement cet après-midi. C'est pour ça que je vous propose la victoire d'Hugo Humbert sans concéder de 7. C'est coté à 1,85. Notre partenaire Genibet a mis en place un jeu concours à l'occasion du tournoi de Monte Carlo. 5 euros de free bet sont à gagner en réussissant un combiné sur l'ATP de Monte Carlo. Mise minimale de 5 euros sur 3 sélections minimum pour un combiné minimal de 3,50. Toutes les conditions sont à retrouver sur le site internet et l'application mobile de Genibet. On enchaîne avec le ballon rond direction la Serie A pour la 31e journée. L'Udinese reçoit l'Inter, 6,40 la victoire d'Udinese, 4,20 le nul et 1,41 la victoire de l'Inter. L'Udinese n'est pas en grande forme à domicile, ils n'ont pas gagné le moindre match sur leur pelouse en 2024. Et ce soir, la série risque de se poursuivre. L'Inter est à deux pas du titre. Ils comptent 11 points d'avance sur leur dauphin, l'AC Milan. À l'extérieur, c'est costaud. Ils ont gagné toutes leurs sorties en championnat en 2024. Et je sens bien cette série se poursuivre. C'est pour ça que je vous propose la victoire de l'Inter face à Udinese, c'est coté à 1,41. Et j'ajoute à ça le but de Lautaro Martinez, c'est coté à 1,93. Il n'a pas marqué depuis février. Je le sens bien mettre fin à cette série noire ce soir. L'addition de ce lundi, Hugo Humbert s'impose face à Federico Coria sur le score de 2-0. C'est coté à 1,85. L'Inter s'impose à Udinese, c'est coté à 1,41. Et pour finir, Lautaro Martinez marque dans le match, c'est coté à 1,93. Le Café des Paris, c'est désormais terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles cotes avec notre partenaire Genibet. N'oubliez pas de jouer de manière responsable. Bonne journée à tous. Pariez en live sur votre match avec Genibet, site de paris hippique et sportif.